Et salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez particulière. Je vais aller interroger des passants dans la rue suite à ce que monsieur Macron a pu dire face à un chômeur qu'il suffit juste de traverser la rue pour trouver un travail. Donc on va aller les interviewer, on va leur poser une question et avoir leur avis. Allez, c'est parti. Alors, monsieur Macron a récemment dit qu'il a un jeune chômeur qu'en fait il suffisait juste de traverser la rue pour trouver un travail. Vous en pensez quoi? C'est pas toujours évident. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un petit raccourci quand même qu'il a fait. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que monsieur Macron aurait évoqué à ce moment-là? Je pense qu'il y a encore du travail, mais il n'y en a pas autant qu'il veut bien le laisser croire. Voilà. D'accord. Ce que j'en pense. Alors, monsieur Macron a récemment dit à un jeune chômeur qu'il suffisait juste simplement de traverser la rue pour trouver du travail. Vous en pensez quoi? Oui, alors là, je sais pas du tout là, ce que j'en pense. Mais je peux rien vous dire sur ce sujet-là. En fait, si vous voulez, monsieur Macron, il a simplement dit, pour vous expliquer, juste le fait de traverser la rue, en fait, vous trouverez un travail facilement. Est-ce que pour vous, c'est simple? Mais c'est pas tout pour ça, déjà trouver un travail, c'est pas trop simple. Et ouais, c'est tout. J'ai pas d'autre réponse. D'accord, entendu. Merci. Voilà. Monsieur Emmanuel Macron a récemment dit à un jeune chômeur de juste simplement de traverser la rue pour trouver un travail. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est totalement faux. C'est pas du tout la réalité que la société en ce moment vit. Alors je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Monsieur Macron a récemment dit à un jeune chômeur de traverser la rue simplement et pour trouver du travail. Vous en pensez quoi? J'en pense rien du tout. Monsieur Macron est comme les autres, il n'est pas mieux, il n'est pas plus mal. Je m'excuse. Merci bien, monsieur. Alors, monsieur Macron a récemment dit à un jeune chômeur donc de traverser la rue pour trouver du travail. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'assez simple? Non, en fait, je trouve que c'est pas si simple que ça. Quand on a une formation, on aimerait bien travailler dans sa formation. Traverser la rue, ça impliquerait déjà de refaire une formation, donc c'est long, ça peut être coûteux, c'est pas donné à tout le monde, quelqu'un qui a 45-50 ans, lui demander de refaire une formation après avoir travaillé 20 ans dans la même spécialité, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup plus que d'autres. Moi ça me semble un peu compliqué tout ça, mais bon voilà, c'est pas donné à tout le monde. Après il y a des gens qui peuvent se reconvertir, hein. Moi je l'ai fait, hein. J'étais mécanicienne sur hélicoptère, je suis devenue infirmière. On peut le faire, mais il faut avoir la capacité déjà de rebondir, il faut être dans des bonnes conditions, pas avoir une famille à nourrir, pas... Voilà, donc monsieur Macron, oui, il est sympa, il a de bonnes idées, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Merci bien. De rien. Alors, étant commerçante, j'aurais juste une question à vous poser. C'est au sujet donc de monsieur Emmanuel Macron, qui a récemment dit à un jeune chômeur de simplement traverser la rue pour trouver un travail. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que, à mon avis, il n'a pas conscience du tout de... Enfin, je pense qu'il est sur une autre planète, carrément. Mais carrément, parce que déjà, je pense qu'au niveau des études ou des choses comme ça, en fait, on fait faire des choses aux jeunes. Et en fait, derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de débouché, il n'y a rien. Donc, dire à quelqu'un, traverser la rue, vous allez trouver de l'emploi, oui. Mais pas en fonction de ce que lui voudra faire, déjà. Et ça va être très compliqué, même s'il a des études. Donc soit il ne sera pas payé en fonction de ce qu'il aura fait, soit il va rester sur le bord de la route. Il n'y a pas à traverser, c'est juste qu'il va se retrouver au bord de la route. À faire du stop éventuellement, mais la traverser, ça va être plus compliqué. Donc ici, nous, on est auto-entrepreneurs.
Donc on a beaucoup galéré déjà pour avoir un stock de vêtements. Voilà, on n'a pas fait de crédit, on n'a pas fait tout ça pour justement ne pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est très compliqué. Nous, l'État nous prend énormément d'argent également, même si on ne gagne pas énormément. Donc bon, dire que les jeunes vont trouver de l'emploi comme ça, faut arrêter de délirer, quoi. C'est du mensonge. C'est du mensonge, même quand on fait des grandes études. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des études et ils en sont au même point. Ils galèrent comme tout le monde. Donc il est d'une bêtise sans nom, cet homme. Je sais pas, il faudrait qu'il sorte, qu'il aille voir des vrais gens en dehors de sa tour d'ivoire, parce que je crois qu'il a plus conscience de ce qui se passe, en fait. Voilà ce que je peux dire. Entendu, merci à vous. Monsieur Emmanuel Macron a récemment dit à un jeune chômeur de traverser la rue pour trouver du travail. Vous en pensez quoi ? C'est un con, c'est tout. C'est un con, c'est tout. Je peux rien dire d'autre. J'aime pas Emmanuel Macron. Alors, Monsieur Macron a récemment dit à un jeune chômeur donc de traverser la rue pour trouver du travail. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis pas d'accord avec lui. On traverse pas la rue, on trouve pas du boulot comme ça. Après, il n'y a pas du boulot à tous les coins de rue, je pense. La preuve, moi, je suis en formation, orientation, parce que justement, je sais pas trop ce que je veux faire. Et il n'y a pas forcément d'aide pour les jeunes qui recherchent du boulot, justement. Enfin, moi, c'est mon opinion, après. D'accord. Entendu, merci. Alors, Monsieur Macron a récemment dit à un jeune chômeur, pour trouver du travail, il faut simplement traverser la rue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est pas une bonne réponse qu'il a donnée. Je pense que c'est plutôt d'aller voir les commerçants, d'aller se vendre. Mais aujourd'hui, traverser la rue, ça veut rien dire. Et voilà, je viens de terminer d'interroger les passants et les commerçants. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, peace.